Bonjour à tous. Allez, quel est ton message général du jour? On y va. Et ce qu'on t'annonce, c'est que il y a, en tout cas, des accords qui sont en train d'être passés autour de toi. Peut-être accords professionnels avec réussite complète. En tout cas, les énergies du moment vont plutôt dans le bon sens au niveau professionnel, même personnel. Il y a l'impression justement que tout est en train de se délier. En fait, on voit que tu partages ça avec la personne de ton cœur. Et que effectivement, on sent que il y a un petit peu de jalousie, en tout cas chez lui, dans la réussite que tu mets en place. C'est pas l'important. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, lui, de son côté, ça se passe pas très bien. Il y a des conflits au travail. On sent qu'il a besoin. Il est peut-être pas considéré à sa juste valeur. Et on t'annonce pour cet automne, voire cet hiver. Donc ça va durer quand même quelques mois. Une période compliquée en ce qui le concerne. Alors en fait, ça vient contrebalancer. Toi, tu es en train de réussir dans ta vie pro, dans tes équilibres personnels. On sent que pour le coup, il partage ça avec toi, hein. Pour le coup, il a pas de ressentiment envers toi. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que lui, de son côté, est en train de mener un combat personnel concernant peut-être des rapports à la hiérarchie, avec d'autres collègues, et il se sent de moins en moins épanoui. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a cette notion aussi d'un besoin de changement qui se fait sentir de plus en plus. Et en ce qui te concerne, et en ce qui vous concerne, on t'annonce que effectivement, ce changement peut s'opérer dans les 6 à 7 prochains mois. En fait, on sent pour la personne de ton cœur une vraie envie de partir sur quelque chose de nouveau. Et ce qu'on voit, c'est que allez, d'ici le mois de mars, à peu près, hein, on est sur une période de 6 mois, grosso modo, à peu près, on me parle d'un changement de foyer, un changement de logement. Alors, toi, de ton côté, effectivement, la réussite professionnelle fait que vous n'aurez pas de difficultés majeures pour trouver ce nouveau logement, mais vous avez à cœur justement d'être bien accompagné dans ce projet-là. En fait, on parle bien aussi de l'influence d'une personne, d'un homme autour de vous qui va faire en sorte que les choses bouge, on sent que vous êtes peut-être assisté par, je sais pas, un agent immobilier, un chasseur d'appartements ou de logements, et voilà, on sent que ça fonctionne. Alors pour le coup, il y a quand même pas mal de petites choses hein, qui sont difficiles pour toi. On sent que émotionnellement, alors même si ça va, on parle d'une jeune femme, d'une jeune fille qui est présente, peut-être effectivement qui a des. Alors pour le coup, pour moi, je ressens plus une jeune fille qui a de la jalousie. C'est peut-être la fille de la personne avec qui tu vis. Et cette jeune femme, on sent qu'elle a, je vais pas dire des troubles psychologiques, mais on sent que c'est une jeune fille qui est assez difficile, très émotive, très sensible, mais du coup, elle peut rapidement exploser. Et en fait, on sent une santé. Alors pour le coup, je ressens plus quelque chose de psychologique qu'il est difficile d'appréhender. En tout cas, on sent que c'est un vrai nœud dans votre relation. Et peut-être que ce changement de départ sera ce changement de logement sera un nouveau point de départ en ce qui vous concerne. Visiblement, il y a quand même une personne que vous allez rencontrer, une personne d'un certain âge qui a cette notion spirituelle et qui va pouvoir vous aider à appréhender différemment les conflits et les disputes. Elle va générer beaucoup d'intensité dans votre relation. Alors on voit que votre couple est solide, il tient, mais vous êtes soumis à des énergies extrêmement difficiles, et il va falloir pouvoir dépasser ça. Si vous n'y arrivez pas, on sent qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications. Il y a des projets qui vont reconnaître des difficultés. C'est difficile, hein. On sent qu'il va y avoir des suivis peut-être de santé, des suivis médicaux. Prenez soin de vous. En fait, on voit bien que l'année 2025, si tu vois cette vidéo et que tu es dans cette situation-là, risque d'être, alors pas chaotique, mais chahuté. Tu vois, je la sens, sur un côté, tu réussis, vous avez ce nouveau logement, mais il y a des conflits avec cette jeune fille. On sent que dans les projets que vous mettez en place, c'est compliqué. En fait, on voit vraiment en ce moment une situation très tendue. Tu auras l'impression que la vie ne te fait pas de cadeaux. Et tu vas te battre. Parce que pour moi, tu es quelqu'un qui a une grande force de caractère, pour le coup, qui a une vraie blessure de trahison. Et tu vas tout faire pour sauver, en tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place.
Et tu as raison, parce que clairement, le jeu en vaut la chandelle et vous parviendrez à dépasser ça. La personne de ton cœur va traverser aussi cette période avec toi. Bon, on sent que ça va être à flux tendu, qu'il y a ces épreuves à vivre, mais pour autant, votre relation est empreinte de stabilité et de lumière. Et on vous confronte à des événements de la vie. C'est peut-être une relation, on parle de relation de lumière, donc peut-être une relation type âme sœur, relation peut-être de parcours sacré, et que vous êtes dans ce processus de réunion et que ça va demander justement de traverser un petit peu cette période de manière assez houleuse. Mais vous dépassez ça. Et crois en toi parce que vous dépassez ça, tu as cette lumière et cette réussite dans ton cœur, dans ta foi, dans ta confiance.